Cela est un mauvais souvenir. Oublie-le. Marie-toi avec le banquier. Depuis ton départ en tribu, t'es plus la même. T'ont changé. Ce jeune blanc-bec, là, le dresseur de chevaux, là. Il a une mauvaise influence sur toi. Il a fallu que je tombe amoureux de la mère de mon pote. Je te promets que quand je l'ai rencontrée, je savais pas que c'était la mère de Shark. J'ai envie de lui dire la vérité, mais elle va pas me croire. C'est pas une bonne idée ce qui s'est passé entre nous. Il faut que ça s'arrête tout de suite. Si on peut rien faire pour lui ici, concrètement, il faut l'emmener où? Il y a bien un service spécialisé en métropole, mais je n'autoriserai rien sans l'accord de la famille. Soleil a une famille. Il le dit dans sa lettre. C'est sa tribu. Si tu veux sauver Soleil, il faut que tu commences par faire quelque chose pour moi. Tu me vois là en pleine action. Tu es en train de remettre en état le ranch de tes grands-parents. Je crois que ça sera bien quand j'aurai fini. Je suis allée voir Wazala. J'ai besoin de sa signature pour transférer Soleil dans un hôpital en métropole. Il accepte à une condition, c'est de réintégrer la tribu. Attends. Soleil est de retour? Il est malade? Bah, il a une tribu. C'est à sa tribu d'assumer. Papa, il est dans le coma. Il faut que je transfère vers un service spécialisé et il n'y a que Wazana qui puisse m'aider. Wazana est un sale type. T'as déjà oublié ce qu'il nous a fait l'année dernière? L'essayer de nous déposséder, nos terres, nos biens. Et alors, on s'en fout. C'est pour aider Soleil, là. Soleil? Un type aux cheveux longs qui fout la pagaille de partout. Tu dois m'aider, tu comprends ça? Excuse-moi. Soleil, c'est mon ami, c'est tout. Même si je le voulais, je pourrais rien faire. C'est vrai que je suis membre du Grand Conseil coutumier, mais j'ai pas le pouvoir de le faire intégrer. Et puis je vais te dire, ton Soleil, il aurait intérêt à se choisir un autre parrain. Wazana est indigne de ce rôle. Ah, Alice, je te comprends pas. Je pensais que tu étais devenue raisonnable. Tu devrais songer un peu plus à Louis. C'est un garçon bien. Écoute, j'ai envie d'avoir des petits-enfants. C'est pour eux que je fais ça. Thank you.
Effectivement, ouais, c'est pas très bien que Rosanna soit pas au chevet de Soleil. C'est quand même son parrain. Moi, je peux lui retirer son titre de parrain, mais Soleil, il sera orphelin. Eh bien, dans ce cas-là, est-ce qu'on pourra pas lui trouver un nouveau parrain? Ou une marraine? Toi? Mais dans ces cas-là, faut que tu présentes ton homme à la tribu. Le banquier. Ses parents me prennent la tête pour mes études. Ils m'ont posé un ultimatum. Soit je m'inscris à la fac de Nouméa, soit je rentre à Tours. Tu penses vraiment qu'à toi, hein? Bah, je trouve qu'ils ont raison. Pourquoi? T'en as fait, toi, des études? Bah, justement, Lola. De toute manière, je compte m'inscrire à la fac de biologie sous-marine. Et ben voilà, tu l'as résolu toute seule, ton problème. Grâce à Shark. N'importe quoi. Allô? Léo, c'est Karine. Ouais, ça va? On va aujourd'hui? Non, je peux pas aujourd'hui. J'ai plein de trucs à faire. Je peux pas annuler, je suis désolé. Allez, viens. Écoute, le mieux, c'est que je te rappelle et on voit ça après. Bon, ok. Ok, je t'embrasse. C'est qui, c'est ta nana? J'ai dit aux parents que c'est amoureux. Ils ont hâte de voir à quoi ressemble ta nouvelle fiancée. Enfin bon, j'ai rien pu leur dire. Bah tant mieux. Pourquoi? T'as des choses à cacher? C'est quoi, c'est un homme, c'est ça? Moi j'ai rien à cacher. Et encore moins à cette femme. Mais pourquoi je te raconte tout ça à toi? Mais allez, raconte! Tu comprends rien. Allez, raconte-moi. Bah oublie pas que tu dois ouvrir le restaurant. Oui, Alice. Il faut que tu sois conscient que cette grande responsabilité, elle est aussi lourde. Il faut que tu fasses toujours attention à Soleil. C'est ça le sens de la liane qu'on a attachée aujourd'hui avec tous les vieux qui sont là. C'est la liane qui est attachée avec Soleil. J'accepte. Vous n'avez pas le droit. Alice fait pas partie de la tribu. Elle peut pas devenir sa marraine, c'est contre la coutume. Tout ce que je veux, c'est que Soleil soit transféré en métropole, c'est tout. Mais moi, je veux que la coutume soit respectée, c'est tout. Oublie Soleil. Et toi, ramène ta femme sur Nouméa. Allez, viens, Alice, on y va. J'ai besoin de votre aide. Est-ce que vous voudriez bien devenir le parrain de Soleil? S'il vous plaît.
Bonjour. Je voudrais acheter des fleurs, mais j'y connais rien. Ah bah écoutez, c'est pour quelle occasion? Une déclaration. J'ai exactement ce qu'il me faut, là. Il me reste ici 11 magnifiques roses rouges. Rouge pour la passion. Un beau bouquet de 11 fleurs, c'est l'idéal. Et ça coûte combien? Ah bah c'est 200 francs la rose, ça vous fait un bouquet à 2200 francs. Et si j'en prends 4, ça va? Non, en dessous de 10 fleurs, croyez-moi, ça fait vraiment ridicule. Mais si vous les voulez pas maintenant, je peux les remettre, hein. On peut peut-être s'arranger. Vous connaissez le restaurant Les Copains d'abord? Non. Je vous fais entrée plat dessert. Allez, ok. C'est pour l'amour, hein. Livraison comprise. Vous pouvez même mettre un petit mot dedans, si vous voulez. Bonjour. Je peux vous aider? Oui. Vous voyez le garçon qui vient de partir, là? Oui. En fait, c'est mon copain et... Je suis sûre qu'il me trompe. Mais je suis enceinte. Donc s'il vous plaît, dites-moi à qui il envoie ses fleurs. Je suis désolée, mademoiselle. Je suis désolée. Je vous en supplie, je veux vraiment savoir qui est en train de me voler le père de mon enfant. Je peux pas vous donner cette information. Mademoiselle, écoutez, venez vous asseoir là. Je vous en prie très bien. Venez là, il y a un siège juste derrière vous là. Installez-vous. Je vais aller chercher quelqu'un, bougez pas surtout, hein. Je reviens tout de suite. Club Poséidon. Karine, j'ai quelque chose à te dire de très important. Léo. Bah tu vois, au final, c'est toi qui as gagné. Je passe plus de temps en tribu qu'à m'occuper des affaires de mon père. Bravo. Bonjour, mademoiselle Watson. Bonjour. Je ne suis pas spécialiste du droit coutumier kanak, mais il semble que le parrain adoptif de Soleil puisse autoriser son transfert en métropole. Par contre, Soleil, là, il va me falloir un nom officiel. C'est Julien Garry. Ça y est, le transfert a été signé. Et j'accompagne Soleil en France. Quoi? Écoute, il vaut mieux pas qu'il y aille seul, il y a que moi qui peux venir avec lui. Non, mais je te comprends pas, Alice, là. Et nous deux? Et notre mariage? Pour l'instant, ma priorité, c'est qu'il guérisse. Non, mais attends. On est fatigués tous les deux, on a fait de la route, là, depuis la brousse. On en parlera plus tard, hein, si t'en penses.
T'as prévu quoi ce soir? Bah rien, pourquoi? Bah j'ai eu une super idée. J'ai invité les parents de Cherk à dîner. Hein? Non, c'est pas une bonne idée. Tu vois, Cherk et moi, on est de bons potes et je sais qu'avec ses parents, il s'entend pas. Ça va être l'occasion de les réunir. Cherk, son père, sa mère, enfin ta meuf, et nous. Et de quoi tu parles? Bah se taper la mère d'un pote, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Maintenant, je comprends mieux pourquoi tu veux pas que je sorte avec Cherk. Parce que passer de grand frère à beau-père, c'est pas la classe. Un beau papa. Lola, c'est des histoires d'adultes, ça. Ça te regarde pas. Ah si, ça me regarde. Donc maintenant, t'arrêtes de me faire chier, ok? T'arrêtes de te mêler de ma vie. Bonjour. Bonjour. Je te promets que je l'ai pas appelé. Je viens rapporter les clés de Charles, il les a oubliées à la maison. Bah, venez avec moi, on va lui rendre. Et qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue te ramener tes clés, tu les as oubliées ce matin. Merci. Bon, bah, tu connais Lola. Et je te présente Léo, son frère. Et mon patron, mon pote. Bonjour, Léo. Bonjour, madame. Léo, ma mère. Là, vous êtes une jeune équipe. C'est bien. Bah ouais. Bon, ben bonne journée, à ce soir. Ouais, merci. Au revoir. Au revoir. Bon, viens avec moi, il y a du boulot en cuisine. Ok. Karine. Karine, je suis désolé. Alors t'es contente, t'as gagné ton pari? T'as sauté la mère de ton employé? Je te promets que quand je t'ai rencontré, je savais pas qui t'étais. J'ai juste une question à te poser. Est-ce qu'hier, quand t'es passé au club, on a fait l'amour? T'étais différent. Est-ce que tu savais que c'était mon fils? Vraiment qu'un grand malade. Je voulais tout te dire, mais j'ai pas réussi. Tu sais quand même que si j'avais mon fils, il l'apprend, ma famille, elle éclate. Karine, je suis désolé. Laisse-moi une dernière chance, je veux pas te perdre. Karine, Karine, je veux pas te perdre. Allez, tiens le coup. Léo, il s'en va en France. Non, mais t'as pas compris. Tu pars avec moi. J'ai pas envie, je reste là, je reste à Nouméa. Et imagine les parents, qu'est-ce qu'ils vont dire si je réapplique sans toi? Alice, t'attends pas à ce que ce soit en palais. Moi, mes parents, c'est pas comme ta famille. Les fils, ils sont là. Léo, je suis fier de toi. Attends, t'as fait fortune à Nouméa. Fortune, faut pas exagérer. Ça te dérange pas de prendre les parents pour des cons là avec tes bobards? Si t'ouvres pas ta bouche, ils ont aucune raison de savoir que je suis un mytho. Vous pensez qu'il va s'en sortir? C'est encore trop tôt pour que je puisse me prononcer. D'accord, je compte sur vous. Ok, je reviens. Bougez pas.